On est passé quand même du Mozart de la finance en 2024, une procédure pour déficit excessif. Pas de baisse d'impôts qui ne soit pas compensée. Ça fait plusieurs années que nous pensons que nous n'avons plus les moyens, et là nous n'avons plus du tout. La situation est dégradée. Un horizon peu concevable, ni possible, ni souhaitable. Ni fait, ni à faire. Caduque, tout aussi obsolète. Inquiétante. Très mauvaise année en matière de finances publiques. Dégradée. Baisse d'impôts et de cotisations non compensées. 22 points de plus que la moyenne européenne. 47 points de plus que l'Allemagne. Ça fait beaucoup là, non? Notre pays n'a fait aucun effort. Les objectifs ne seront pas atteints. La trajectoire caduque. Je pense que vous êtes en droit d'exiger une nouvelle trajectoire. Peut-être même en devoir. Il est très peu probable, très improbable, que l'objectif pour 2024 soit atteint. Recettes fiscales sont à ce stade en deçà des prévisions du printemps. Ces rentrées-là ne seront pas là. Il ne sera pas atteint. Dans mon plan, il y a un moment où vous êtes efficace. C'est la partie osée, le paramètre hasardeux, voyez. On a un déficit dégradé. C'est pas la situation que nous voulons pour notre pays. Ça nous fragilise. C'est une procédure pour déficit excessif déraisonnable, peu crédible et peu cohérente. Le manque de crédibilité et de réalisme de cette cible, jamais vu. Des hausses importantes de prélèvements. Chaque nouvelle trajectoire apparaît plus fragile que la précédente. Aucune marge de sécurité. Un dérapage de 60 milliards d'euros. Je ne le recommanderais pas. Cette situation est inquiétante. L'urgence, c'est de construire un projet de loi de finances sérieux, crédible. Et je le redis, qu'ils disent la vérité aux Français. Pas de baisse d'impôts qui ne soit pas compensée. Ça fait plusieurs années que nous pensons que nous n'avons plus les moyens. Et là, nous n'avons plus du tout.